Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, nickel. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 extraits de vidéos de 4 youtubeurs français. Ce sont des vidéos sur les nuisibles qui m'ont impressionné. Et n'oubliez pas, c'est des vidéos françaises. Pour la première vidéo, ça sera sur la chaîne Abeilles et nuisibles. Cyprien est un apiculteur. Il traite aussi les frelons en hauteur. Il grimpe aux arbres, il détruit les frelons, il récupère les essaims. Il est sur la région parisienne et là sur sa vidéo il a filmé un essaim d'abeilles et j'ai trouvé ça magnifique parce que les images ils sont belles, comment toutes les abeilles retournent dans la petite ruche. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ouais, c'est la grosse que oui dans la petite boîte là. Elle est issue de la reine au départ. La deuxième vidéo, c'est sur la chaîne Olivier DNF. Olivier a une société de nuisibles, comme moi, sur la région parisienne. Il traite les rats, les guêpes et les frelons. Il a filmé un nid de frelons asiatiques en pleine hibernation. Il est allé filmer à l'intérieur du nid. Donc à l'intérieur, vous avez des frelons qui hibernent, des futures reines, qui vont faire leur propre nid la saison d'après. Et le mieux, c'est de regarder la vidéo. C'est parti. Donc le nid se trouve dans un rouleau de câbles. Okay, on voit que les frelons ont construit partout, ils ont fermé toutes les fissures du bois là. C'est quand même assez impressionnant, il y en a partout, ils ont vraiment tout bouché. Bon, regardez, je sais pas si on voit bien avec la GoPro là, mais en gros, voilà quoi, hein. Il y a un bon nid là-dedans hein. Quand même. Bon, avec la caméra endoscope, on sera quand même mieux. Hein. Donc, sont-ils morts ces frelons? A priori, ça bouge pas beaucoup hein, quand même. Hein. Moi, je dirais, allez, tout le monde est mort, tout le monde est congelé. Les frelons morts hein, se réveillent. Eh bien non, en fait, ils sont pas morts, hein, ils sont juste en diapause. La diapause, c'est l'hibernation des insectes. Donc là, on voit bien le problème qu'il y a si on laisse les nids en place. Et bah, regardez, ça c'est une femelle, hein, c'est pas un mâle, on voit bien la forme de l'abdomen. Celui-là est mort, hein, on le voit bien, il n'est pas accroché par les pattes, pas comme les autres. Tous les autres sont accrochés par les pattes, vous voyez, on voit. Et ils ne touchent pas par terre. Ceux qui touchent par terre, je pense qu'ils sont morts, hein, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit toujours, hein, bon, celui qui est par terre, celui-là pour moi il est mort. Hein. Par contre, tous ceux qui sont accrochés par les pattes comme ça, là, comme cette magnifique femelle, toujours à l'abdomen, on voit bien que c'est une femelle, et aux antennes aussi, si vous voyez un petit peu. Regardez, je vais essayer de passer un petit peu, pousser tout le monde là, histoire de les chatouiller un peu. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de les chatouiller beaucoup hein, pour qu'ils soient réveillés. Hein. Troisième vidéo, donc là c'est la vidéo d'un pote à moi sur la région toulousaine, Grand Homme. Sur l'extrait de vidéo que j'ai choisi, il a filmé une araignée dans une boîte avec une belle surprise. Le mieux, c'est de voir ça parce que c'est quand même impressionnant, c'est une tuerie. De suite. Aujourd'hui j'ai une surprise pour vous. Bon, pour tous ceux qui connaissent un peu la chaîne, j'ai fait une vidéo sur une araignée. Je vous montre ça tout de suite. Ça c'est le terrain de mon araignée, la Zoropsis spinimana. Donc avec les restes de verre de farine, le substrat c'est de la coco. Donc il y a un peu de toile. Et quand on monte, oh, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et si vous regardez bien, ici, il y a des œufs. Elle a vraiment fait, en fait, un cocon pour ses œufs et une petite toile autour pour surveiller ses œufs.
quatrième et dernière vidéo, une vidéo d'un confrère qui est dans les Landes, un petit youtubeur, pas trop connu je pense, je sais pas si vous avez entendu parler de lui. Bien entendu, la chaîne s'appelle Etienne LGF, je pense que vous avez deviné. Et là, il a filmé une intervention sur un nid de frelons asiatiques, placé à un endroit très particulier, très dangereux pour l'homme, et moi j'étais impressionné. Pour vous dire que ces frelons asiatiques, ils sont hyper dangereux et qu'il faut faire vraiment vraiment attention. Donc le mieux, c'est de regarder la vidéo. Allez, salut à tous, on est sur un truc... C'est l'occasion qui fait le larron, on a un internaute là-bas caché dans la voiture, Aziz. Eh bien il m'a dit, je comprends pas, j'ai l'impression que dans ma voiture ça a l'air chaud patate. Alors pour l'instant, là-dedans on voit rien, ok. On voit rien mais il y a quand même un truc dans la voiture. Alors, voilà, le problème c'est que dès qu'il fait ça, eh bien, vous voyez, regardez ce qui se passe. Eh bien, il y a du frelon qui sort. Et vous voyez, il y en a 2-3 quoi. Alors, il comprend pas parce que la voiture, il voudrait bien s'en séparer. Mais c'est pas possible. Ça marche pas, quoi. Personne n'en veut. Moi, je comprends pas. Pourtant, ça a l'air d'être une voiture assez sympa. Bon, elle n'est pas d'une première jeunesse, mais vous voyez. Et puis, là, il a vite compris qu'il y avait un gros bémol, quoi. Alors bon, ça s'est bien passé. Les ouvrières sont grosses, hein, donc le nid, ça fait déjà 2 mois qu'il est là. Et donc faites gaffe parce que vraiment le frelon asiatique, il se met partout. Allez, on va traiter et puis après on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose. Mais bon, là, c'est un peu chaud patate quand même. Hein. Là, il fallait pas y aller. Hein. Imaginez, j'ai juste fermé le coffre. Même. Donc on va faire un traitement très basique. Hein. Mais ça sent le venin là, ça sent le venin fort. Alors vous allez être comme moi parce que moi je ne sais pas du tout où est le nid. Et le pire c'est quand même qu'ils ont, il était un peu téméraire, il a essayé avec une bombe. Bon bien sûr ça n'a pas marché. Ah, on voit, regardez, on voit le départ de nid là. Donc en fait il est juste sous le garde-boue. Et ouais, regardez ça, vous voyez mieux que moi, il est là. Vous voyez ? Un très beau nid hein. Apparemment, parce que vous voyez mieux que moi, il est là. Moi, je ne le vois pas spécialement très bien. Parce qu'en plus, il fait chaud. Quoi. Ah, là, ça y est, je l'ai senti. Là. Vous voyez, j'ai senti le pic. J'ai senti le papier, donc le nid est traité. Bon, voilà les petites idées. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur les 4 youtubeurs français. Vous avez les liens dans la description en bas. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser des commentaires, un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt les Dédés.